Ah, ça y est, j'arrive, j'arrive. J'arrive, je suis presque là. Attendez. Termine. Okay. Je termine ça, tac, tac, tac. Et hop. Salut tout le monde. Donc, on se retrouve ce soir parce que j'avais prévu de faire un live cette semaine, mais il y a eu plein de contretemps. Et hier, j'étais particulièrement énervé suite à mon entretien annuel avec mon nouveau chef. Donc, il s'avère qu'on va... On va se détendre ce soir. Alors, j'étais parti pour faire toute autre chose, j'avais d'autres jeux en tête, des trucs qui risquaient de peut-être me gonfler un peu, je sais pas. Donc, dans le doute, j'ai préféré prendre un truc où j'allais pas me gonfler et où ça allait être sympa. Voilà. Donc aujourd'hui, ça va être du House Flipper. J'ai mis un peu de temps à décider, mais bon, bah écoutez. Donc là, oui, en vrai, je suis rentré du travail il y a peut-être 3 quarts d'heure. Je lance le jeu vite fait, ne vous inquiétez pas, ça arrive, hein, c'est le temps qui se lance. Je changerai la scène après. Donc oui, ce soir, House Flipper, j'avais hésité à faire autre chose que j'ai un peu galéré à faire marcher. Mais bah, du coup, non. Ouais, pas ce soir. C'est un jeu de merde en plus. Donc clairement, clairement c'était pas, on n'est pas dans l'empressement de le faire, si vous voulez. Mais c'est un jeu que j'ai dû racheter quand même avec mes petits deniers. Attendez. Hop, hop, hop. House Flipper. Marche quand tu veux. Hein. Merci. Parfait. Oui, donc House Flipper ce soir. Oui, donc c'est mon premier live aussi avec le nouveau micro. Donc n'hésitez pas à me dire si ça déconne un peu, si pour vous ça passe pas bien, si machin. Normalement, je l'ai réglé suffisamment bien pour que ça passe. Par contre, j'ai peut-être pas assez bien réglé par rapport à l'écho et tout. Donc il faudra que je vois ça dans un avenir proche. Je sais pas trop régler les micros et tout, c'est la première fois que j'ai un vrai micro. Autant le micro que j'avais là, bon, ça allait à peu près, quoi. C'était réglable. Autant là, ça me paraît plus compliqué à régler, il y a plus de... Pas forcément plus d'options, mais c'est un vrai micro, quoi, donc ça capte plus de son et tout. Donc voilà. Donc si mes chats font du bordel, bah, vous l'entendrez, quoi. Ce qui risque d'arriver sous peu, hein, je vous dis. Là, ils se sont calmés et tout, ils ont fait un peu la fête quand je suis arrivé. J'ai déjà remonté des goûts, là, faut que je fasse gaffe, sachant qu'il y a des cafards apparemment chez mon voisin. J'en ai pas ici, j'ai de la chance, mais c'est littéralement le voisin collé chez moi, quoi, donc... Bah, c'est pas super engageant, on va dire. Tu crois que je te vois pas en train d'essayer de bousiller mon sac, là? Non. Pas de miaou. Ici. Petit con, bah, t'es beau. Ouais. Ouais, t'es un enfoiré, ouais. Ouais, t'es un enfoiré, ouais. Gros chien. Bon, qu'est-ce qu'on a à faire, du coup? Ici, rien. On a un truc là-haut et un truc là. On retournerait pas un peu à la plage, ça fait longtemps. Tu te souviens de la fameuse maison la plus moche de la côte est, qu'on appelait la maison de Driftwood. Finalement, elle va peut-être devenir un centre communautaire. Les collectes de fonds pour poursuivre la rénovation ont été couronnées de succès. Un groupe de touristes a fait une généreuse donation pour l'avoir prise en photo. Non seulement les matériaux sont financés, mais il y a assez d'argent pour payer le meilleur rénovateur de la région, toi. Bon, à peu près le seul, a priori, si j'ai compris. Je suis bien affiché sur les vidéos. Les anciens ouvriers t'ont laissé beaucoup de travail. Le plus gros défi, c'est de rendre l'extérieur présentable. Ton célèbre marteau te sera certainement d'un grand secours. Il faudra aussi la nettoyer, terminer les murs et les sols, et enfin l'ameubler. Tu connais la chanson, bref. Une grosse mission. Peut-être même la seule de la soirée. Allez savoir si nous prenons une heure et demie, sortez de la seule. On verra. En tout cas, ça me fait plaisir de faire un live, ça fait longtemps, putain. Bon. Déjà, on a de la merde à ramasser. Ah. Ah. Ah oui, merde. C'est vrai qu'on a un outil poubelle maintenant. Et du coup, la poubelle, elle est là-bas. On va mettre droite quand même, un minimum. On rangera tout ça après, mais pour l'instant, faisons un petit nettoyage. C'est pas si dégueu, j'ai l'impression. Hein. En vrai, pour un centre communautaire, c'est ouf. Hein, la place est superbe.
La maison la plus moche en vrai. Ouais, ok, elle est dégueulasse un peu parce qu'elle est crado, mais elle est pas moche. Hein. Putain, j'ai des petits coups de lag là. Putain, ça se trouve, c'est Windows qui est en train d'essayer de se faire une putain de mise à jour en arrière-plan ce temps. Bah, faut pas que je lise tout ce que je pense. Hein. Alors, attends. De Windows, c'est un peu grâce à eux que je perds ça. Non, j'ai pas. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un téléphone, un Nokia. T'es mal Nokia 3310, mon pote. Pour la vendre, ça, si. Incroyable, hein. Le remettre dedans, c'est une relique, effectivement. Rominé! Mais t'arrêtes avec ce sac, oui? Putain, c'est mon sac à dos, arrête un peu avec tes conneries. Non, mais te pars pas en courant, j'ai rien fait, j'ai juste remis le sac sur le. Mais il sait qu'il fait des bêtises, j'arrête pas de m'engueuler par rapport à ça. C'est pour ça que j'adore les chats, mais en même temps, ils cassent les burnes. Je suis vraiment très fan des chats, j'adore. Vraiment, les chats, c'est mon animal préféré, quoi. Mais putain, qu'est-ce qu'ils sont chiants à écouter que ce qu'ils veulent, là. C'est vraiment le libre arbitre pur, c'est les chats, quoi. Ah, si vous avez un doute sur ce qu'est le libre arbitre, vous regardez comment agit un chat. Et là, je peux vous garantir que vous trouverez ce que c'est. Hein. Ah oui. Oh putain. Mais oui, je sais que t'es là, mon bébé. Mais oui. T'es un beau chaton. T'es un beau chaton. À ton âge, t'es plus un chaton, t'as 4 ans. Non, 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 qu'est-ce que j'ai dit? Tu restes là. T'es à côté de moi, t'es pas loin. Si j'ai acheté un petit arbre à chat qui est pile poil à hauteur de main et qui est collé au bureau, c'est pas pour rien, mon bébé, hein. C'est pour que tu arrêtes de tout dérégler sur l'écran. Il y a des trucs là. Waouh. Wow. J'ai lâché mon meilleur bicarbonate de soude. Enfin, même pas, c'est de. C'est pas du bicarbonate, c'est de la soude tout court. Dans l'évier, mais j'ai l'impression que ça va pas suffire à calmer les odeurs. Hein. Non, ça marche pas non plus. Non, mais je sais pas ce qu'il faut que je vende de plus là. Montre-moi avec tes yeux d'elfe. C'est à vendre. Ok, vendons tout ça. Avec vos yeux de dauphin, que voyez-vous? They're attacking the Hobbit to Isengard, hein? Ouais, mais là, on n'est pas à l'extérieur, si? C'est considéré comme l'extérieur, ça? Non. Ça, c'est à vendre, oui, mais. Là, il dit que j'ai encore 26 objets à vendre. C'est bien que c'est pas. Ah, mais attends, peut-être qu'il compte le dessus. Ah, non, il compte pas le dessus. On sent encore différent. Je sais pas quoi faire, du coup, là. Est-ce qu'il y a d'autres à vendre, là, ici? J'essaie de comprendre. Est-ce que les poteaux sont à vendre, genre? Non, il y a besoin des poteaux, effectivement, je trouve ça logique. Bon, attendez, on va casser les murs. Qu'est-ce qu'il y a à casser? Absolument tout. Super. Je pense que si je fais ça, tout s'écroule, non? Faites confiance à la mycose. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, on casse tout! T'es mal à la taille de la casse! Mais vraiment, je sais pas si péter un truc qui a l'air de tenir des fondations sur une maison qui est en pilotis, c'est une vraie bonne idée, quoi. La question peut se poser, je pense, non? Non? La question se pose pas? Non? Ok, pas de soucis. Si c'est ok, c'est ok, hein, je vais pas. Ils ok, hein. We not going to fight about this. Hein. Putain, je pensais qu'il y avait un sous-sol qui était caché, genre. Ah, j'aurais été content. Encore plus d'espace à travailler et tout, bah, j'aurais kiffé. Le mec, il a fait 8 heures de boulot, il est content de rentrer pour travailler encore. C'est beau quand même.
En même temps, le boulot le samedi. Hein. Je pourrais faire des lives directement au poste. Hein. Pas vous mentir. Parce que ça bouge. J'ai eu peut-être 5 trains dans la matinée. Enfin, dans la journée. Enfin, bref. Bon, et vous, comment ça va alors? Parce que y a pas de. Pas de raison que je parle que de moi là. Putain. Oula, oula, oula. J'avais oublié qu'il y avait ça. Attends, c'est le lever. Townsfolk are really impressed with your work in Pinnaco. So, thanks to the successful fundraising and with you being in charge, we can trust that the work will be finished this time. Ah oui, non seulement il sera fini, mais il sera bien. Attends, quoi? Oh, there were problems with funding it. The town had a disagreement. Mais je vous le fais gratos, hein, je suis ce genre de gars, moi. So they stopped showing up as one would expect, and by the time the town figured out how to deal with the situation, the whole ugliest house thing happened. It was a popular Ah, Ugliest House, franchement, la maison, elle est bien. Hein. C'est juste qu'elle est pas finie, quoi. So there was no reason to hold up the renovation any longer. Just in time for you to come in and do your magic. Short memory, huh? Someone named it that after the first crew left. Then it became a popular place for tourists to take funny pictures of. And for some, that was enough of a reason to hold off the renovation. It increased tourist traffic, you know. Ouais, je vois, je As vois. I said, lately their interest has been dying out. And now, with your help, it has a chance to become the most beautiful house on the coast. Ouais, parce que plein de cul des Parisiens qui viennent juste pour se foutre de la gueule des maisons des pousseux, quoi. Because working with you has been a pleasure. Ouais, bon, Though c'est pas trop vite quand même, quoi. some... Hein? Hein, doucement quand I même, just hein. reached out Je vais pas te faire ta maison gratos, à toi. Et c'est. Parce que travailler avec toi est un plaisir, évidemment. Oui, c'est ça. Je suis pas de prix d'amis, moi. Pas mieux. Comment ça, non, I'm sure of it? J'aurais dû répondre, comment ça, tu te doutais de moi, là? After completing this renovation, who knows what the future holds for a skilled house flipper like you. Till next time, my friend. Attends, mais house flipper, c'est un vrai terme? C'est fou. Qui l'eût cru? Allez. Hop. Tout ça, ça dégage là. All time. Qui a fait ça? C'est quoi ce travail d'orfèvre? Comment ça veut pas dire ça, travail d'orfèvre? Attendez, je comprends pas. Là. Le chat, si jamais vous connaissez, enfin, c'est pour quelqu'un, tiens. Si jamais vous connaissez quelqu'un, un artiste qui est doué dans les, dans tout ce qui concerne les, comment dire, les overlays de Twitch et tout, faites-moi signe parce que je pense que je vais chercher ça sous peu. J'ai des idées, mais malheureusement, j'ai pas les compétences pour les mettre en place. Ça se rend dans l'évidence, je suis limité. J'ai pas, en plus, j'ai pas fait de graphisme depuis super longtemps, donc vraiment j'ai tout perdu. Enfin, tout perdu, non, mais une bonne partie. Donc, vraiment, si vous avez des bons artistes, enfin, bon, bonnes, hein, peu importe, des artistes, quoi, qui sont pas spécialisés là-dedans forcément, mais qui sachent faire ça, moi je prends. Genre, vraiment, c'est évidemment, c'est rémunéré et tout ça, quoi. Je paye le travail des gens. Je suis pas comme certains. On ne donnera pas de nom. Oui, Rusty!
Que t'arrive-t-il, princesse? Oh, miaou, miaou. Attends, tu t'es vraiment scratché à 50 cm de hauteur, là? Pauvre beauté. Pauvre beauté. C'est qui la plus belle des demoiselles? Oui, c'est toi. Oui, c'est toi. Oh, oui, t'es belle. Oh, oui, t'es belle. Oh là 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 là. Attendez, attendez, je suis occupé là. J'ai une petite chose qui m'occupe là. Oh, un petit croc mignon. Oh, ouais, je t'aime. Évidemment, je t'aime. Qui ne t'aimerait pas? Regarde-toi comme tu es belle. Et gentille avec ça en plus. Et gentille est parti pour faire des conneries. Je t'ai vu faire, j'ai vu ton regard. Aïe aïe aïe. Mais j'adore les chats, c'est vraiment. Je pourrais pas en passer. Ma vie, il va falloir que j'ai des chats, je pense. Je veux pas d'enfants, mais je veux des chats par contre. Ça, des chats, j'en veux tout le temps, quoi. J'en ai eu toute ma vie, et je pense que j'en voudrais toute ma vie. C'est catégorique, j'adore ces animaux. Ça, c'est mes enfants, là. Ils ont mon caractère, c'est un caractère de merde. Mais ils sont très très beaux parce qu'ils ont mes gènes aussi. Ah ouais, mais j'ai du taf à foison, putain. Bon, alors le dessous c'est fait là, du coup il n'y a plus. Ouais, non, mais ça c'est au-dessus. Du coup, attends, j'ai tout fait là? Bon, je vois ça. Tout est vendu, tout est en place, ça derrière, je vais pouvoir le mettre plus devant. Je peux même pas le prendre, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah putain! On peut interagir avec, d'accord, ok. Ah ouais, ok. Oui, c'est rigolo. Ça a le mérite d'être marrant. Bon, alors, les poubelles. On va se mettre d'accord. On va les mettre là. Non, on va pas finir, je pense que là vraiment on est lancé sur un truc qui va nous durer longtemps, ça va être une grosse mission ça. Ça sentait la grosse mission quand je l'ai pris déjà, c'était l'une des raisons pour lesquelles je l'ai pris, hein, sinon j'aurais pris l'autre. Mais là je pense que ouais, oh là 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 là. Pourquoi une maison moche? Enfin, elle est pas moche la maison, c'est un truc de baiser quand même. Ou je vends des. Bah non, on va les vendre, c'est trop bien. La maison qui a besoin d'être travaillée, oui clairement, mais alors la maison moche, putain, on n'a pas là une notion de moche. Hein. J'en ai vu des choses moches dans ma vie, hein. Ça c'est assez moche. Ça va être très bien. Ça. Bonne base de travail. Oui, ça mérite un nettoyage en uniforme, on est d'accord. Ils sont en train de me défoncer leur bras chat derrière. Je sais pas si vous entendez, mais. C'est terrible ce qui se passe, hein, je le dis. Hein. Peut-être, oui, peut-être refaire les rambardes et repeindre un peu tout ça, mais en vrai, la baraque est folle. Hein. C'est abusé. Je comprends pas qu'on puisse dire elle est moche. Alors qu'au contraire, je trouve qu'elle est qu'elle tire vraiment une bonne gueule, quoi. Tout est à refaire, ça c'est sûr, mais attends, j'ai décidé d'avoir une mission comme ça. J'ai accepté cette mission. Bon, où sont les traces dégueulasses à la ville? Tu vois mes yeux de dauphin? Rien du tout. Salut Ophé! Ouais, ça fait un petit moment, ouais, tout à fait. C'est pour ça que je fais un petit live, ça commence à dater, j'ai été un peu occupé ces derniers jours. Donc, bah voilà, petit live en conséquence. Ça faisait longtemps. Et puis ça me manquait un peu. Comment tu vas? Non, mais ça, je vais pas le vendre, ça risque d'être utile. Je sais qu'il y a des trucs à faire au-dessus, donc. Le trampoline ne m'emmènera pas si haut. En train de se foutre sur la gueule les chats. Ils sont chiants pour ça, ils jouent mais en fait ils virent très vite sur le tabassage de tronche en règle. C'est très très chiant. J'arrête pas de les engueuler par rapport à ça, mais. Je sais pas comment faire pour les calmer. Ouais, ok, bon, là on va vaporiser, je pense. Ouais. Va être beaucoup plus rapide. Je t'avais amélioré ça d'ailleurs ou pas? Ça nettoie bien, ça c'est propre. Hein. Ah, j'adore ce jeu. C'est vraiment un plaisir ce jeu, c'est fou. Hein.
J'avais besoin de me détendre parce que j'ai passé mon. D'où le fait que ce soit ce jeu, j'avais prévu autre chose à la base, mais vraiment, enfin pour le live que j'avais prévu de la semaine. Mais vraiment, en fait, j'ai besoin de me détendre parce que ça fait 2 jours que. En fait, j'ai passé mon entretien annuel hier et c'est clair que mon nouveau chef est vraiment détestable. Donc, je suis encore vénère d'hier, en fait. Et donc, il faut que je fasse un truc pour me détendre. J'en ai parlé avec mon collègue en plus ce soir, on est plusieurs à penser que c'est vraiment un gros con. J'ai plus de trop le dire parce que j'ai mon visage découvert et tout, et ça peut s'entendre, ça peut me retomber sur la gueule, mais vraiment, non, vraiment, il pose problème. Clairement, il essaie de nous faire chier. Clairement, il m'a bien pris pour un con hier, ça m'a saoulé de ouf. Personne n'avait parlé comme ça, je veux dire, même quand je travaillais en caisse, on ne parlait pas comme ça. Et pourtant, caissier, voilà, c'est considéré comme un travail de merde. De petits gens qui n'ont pas d'éducation et tout. En général, c'est comme ça que les gens le voient, quoi. Donc, les chefs, en général, le prennent vraiment de haut et voilà. Ça fait chier, mais on sait à quoi s'attendre en caisse, quoi. Là, vraiment, là, j'ai pas aimé. Hein. Là, ça aurait été autre chose que du travail. Je pense que le mec, il bouffait son bureau. Enfin, clairement, c'était foutu hein, pour lui. Là, il perdait ses dents, quoi. Ça m'a vraiment très énervé. J'ai serré les dents plus une fois. Mon contrat est tombé à l'eau 2 fois. J'ai une troisième date. Ah merde, c'est vrai? Ah, je pensais que c'était bon, moi. Ah, sinon, on recrute toujours, mais actuellement, on a un con, quoi. Mais c'est pas grave, on peut le faire chier. L'avantage des grèves. Et je pense qu'il sait pas que ça attend, parce que je suis du genre à pas faire grève, mais là, le mec m'a tellement cassé les couilles que prochaine grève, je suis en grève aussi. Hein. Et puis, il pourra pas compter sur moi pour remplacer qui que ce soit, c'est mort. Ah, tu me prends pour un con, c'est fini. Hein. C'est une fois pas deux. Là, il y a des trucs à refaire. Ah oui, il y a toute la partie là à refaire. Ouais. Au-dessus, j'imagine qu'il y aura d'autres trucs. Mais là, on peut y accéder. En fait, à pire, je peux grimper tout en haut et puis sauter de là après pour y aller au fur et à mesure. Bon, ici, il y a quoi? Il y a des trucs à prendre. Qu'est-ce qu'il y a à prendre? Ah, il y a des achats. Ah, c'est acheté, d'accord. Okay. Et là, il y a des trucs à vendre. Qu'est-ce qu'il y a à vendre encore? À part ça, je veux dire, il y a 18 trucs qui sont marqués. Ah, mais attends, me dis pas que ça compte. Si, ça compte de l'extérieur, du coup, quand j'ai enlevé les fenêtres. Ah, c'est pour ça que j'ai toujours des trucs à faire. Je comprenais pas. On va faire l'intérieur. Allez, déjà, on va rentrer. On va tout nettoyer, enlever le ciment, tout le bordel là. Tac, tac, tac. Bon, en soi, c'est pas fini, mais ils ont quand même fait une maison sur 3 étages. Ça pourrait être pire. Joue au Sims, installe un mode violence, crée un Sims qui lui ressemble à Mustolien. Oh ouais, non, merci. Bah, déjà, ça veut dire que les Sims. Non, merci. Les Sims, moi, c'est terminé depuis longtemps. C'est plus une licence à laquelle j'adhère un peu. Mais non, 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 mais là, ça m'a saoulé hier. Vraiment, c'est rare. C'est vraiment rare que quelqu'un te prenne de haut comme ça, mais là, vraiment. Et je pense que c'est parce que j'ai pas beaucoup d'expérience. Le mec, il doit penser que je suis plus jeune que lui, alors que je pense qu'il a 5 ans de moins que moi, tu vois. Donc en plus, il a dû penser ça par rapport à l'âge et tout. Enfin, je pense que vraiment, on va peut-être. En plus, comme on est plusieurs, a priori, ne pas trop l'aimer. Pas falloir qu'il nous chacune de trop, parce que c'est un coup, ce qu'on se fout en rêve, vraiment, mais juste localement, tu vois. C'est vraiment. Voilà quoi. Désolé pour les gens, mais au bout d'un moment, c'est aussi pour nous voilà, qu'on nous prenne pas non plus pour de la merde. C'est ce qui se passe. Là, déjà, on refuse de nous monter nos qualifications alors que bah on a un poste où il y a des qualifications plus élevées pour tout le monde sauf pour nous. C'est pas normal. Donc, il y a des problèmes qui vont pas là-dessus. Je le savais en arrivant, je l'avais déjà parlé, je trouvais que c'était pas normal. C'était censé être réglé ou alors qu'on en parlait, etc. Mais au final, il n'y a rien qui a été fait. Vraiment, et j'en ai reparlé, et le mec il s'est foutu de ma gueule à moitié en mode ah, mais votre poste il est pas très important. Ah, il est pas très important. Bah écoute, on va l'arrêter un peu, puis on verra s'il est important, mon gars. Tu verras que quand il sera arrêté, tu auras plus beaucoup de choix pour faire tourner les trains, tu vois. Donc ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, bah, mon gars, comme tu veux, hein. On peut faire ça. On peut tenter. Bref. Mais du coup, j'ai besoin de me détendre, j'ai besoin de faire autre chose, j'ai besoin de, voilà, de travailler, mais sans boss toxique au-dessus, quoi.
Parce que notre ancien chef, je considérais qu'il n'était pas très bon en tant que chef, mais c'était une personne, c'était un être humain décent, quoi. En fait, il nous prenait pas pour de la merde, et il comprenait. Comprenait pas toujours, là, un peu souvent du côté des chefs et tout. C'était un chef avec la direction, quoi. Comme quasiment tous les chefs maintenant. Hein. Il n'y a quasiment plus de notre côté. Par ceux qui sont dans les vraiment dans les voies, les petites gares et tout. Mais tu vois, il était quand même très sympa et humainement, je pense c'était j'aurais pu être pote avec ce mec. Lui, par contre, lui, je pense que c'est un humain très médiocre. Voilà. Il n'a pas dû avoir beaucoup de problèmes dans sa vie. Il n'a pas dû beaucoup travailler non plus. Il est arrivé là parce qu'il allait faire de grandes écoles encore, comme bah, la plupart de nos chefs maintenant. Et du coup, il va nous prendre pour un con par rapport à ça. C'est juste à ça. Hein. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et je pense que le fait que j'ai pas beaucoup d'ancienneté dans la boîte fait qu'il se permet ça. Mais à part qu'il paraît qu'il se permet beaucoup parce qu'on est plusieurs à penser que ça. Donc, bref, grosse mission pour se remettre tranquillement tout ça. Même si je pense que ça, on va pouvoir le vendre. Non? Ah merde, je me suis enfermé quelque part. J'ai réfléchi à ça après coup. Du coup, voilà. Ça c'est pour les infos. Voilà. Ça a cassé ça, c'est quoi? Oui, ça a cassé, c'est pour ça que je me dis c'est bizarre. Pourquoi il monte ça comme ça? Regarde-moi ça, comment on fait ça bien là? On casse tout! Pas le time! Non, puis aussi peur me manquer. Mais la prochaine fois, ça sera sur le jeu que j'ai prévu. Je veux dire, j'ai quand même lâché 30 boules dans un jeu qui a 25 ans, que personne connaît. Donc vraiment, je vais peut-être le faire quand même. Hein. Voilà. Il est juste très compliqué à émuler parce que c'est un jeu d'ordinateur, mais un type Flash et tout à l'ancienne. C'est pas du Flash, mais enfin voilà, on s'en prend. Et du coup, et puis c'est un très mauvais jeu à la base en fait. Il est pas très bon. Il fait beaucoup de problèmes déjà à l'époque. L'époque était considéré comme pas trop mal parce que ça changeait un peu les thèmes qui étaient abordés, des trucs comme ça. Mais en vrai, c'est de la chiasse. Et je sais, je veux dire, j'y ai joué à l'époque, il y a quoi? 16-17 ans, je l'avais déjà, ouais, j'avais déjà 5-6 ans. Donc ouais, très vieux jeu, fin 90, avec un thème particulier, on verra si c'est bien ou pas. Je pense pas que ce soit très très bien abordé le thème en question. Mais... Abordé selon la notion de l'époque, on va dire. Ce qui veut dire pas très bien. Soyons clairs. Hop, on nettoie tout ça. Allez. Mais du coup, prochaine fois. Après, j'ai déjà paramétré à peu près le truc. Je me suis juste rendu compte que c'était peut-être un peu petit par rapport au reste. En plus, j'ai déjà le layer en question. C'est un truc que j'ai fait à la main il y a une dizaine d'années. Ouais. Je l'ai fait en 2000, 2016, comme ça. Full à la mano sur Photoshop. Autant vous dire que j'en ai un peu chié parce que mes compétences ne sont plus ce qu'elles étaient. Ah, mais il n'y a que ça à vendre, d'accord. Ah non, il y a encore des trucs. Mais qu'est-ce que tu veux que je vende de plus? Explique-moi, qu'est-ce que tu veux que je vende? Ah! Une fenêtre, ok. Ça, mais ça, je sais, oui, mais. Mais il manque encore un truc, là. Qu'est-ce que tu veux que je vende de plus? Ah, il y a une sonnette, là. Ah, ouais, super. Enfin, une. Ok, qu'est-ce qu'il y en a d'autre? On a à refaire les murs, alors. À refaire. Qu'est-ce qu'il faut que je passe comme page? Il veut quoi? Il veut du bois poli personnalisé. Ok, oui, bon. Je sens que ça va me coûter beaucoup plus que je vais faire. Ah non, c'est bon, c'est la bonne couleur. Je pensais que c'était pas la bonne couleur. J'ai mal pensé. C'est pas grave, ça suffira peut-être pour la suite au-dessus. Donc c'est pas une couleur, je ne sais pas. En tout cas, c'est cool. Du coup, c'est bon, on a tout fait là. On n'a plus qu'à acheter les portes, c'est ça? On va acheter la porte, la fenêtre, tout ça, quoi. Allez, la porte. Elle puerta. Comment ça, on dit pas elle? Oui, je vous rappelle, je compte refaire les overlays de mon. De mon live. Enfin, pas que du live, mais entre autres. Donc si vous avez des artistes qui savent bien le faire,
Faites-moi signe. C'est rémunéré, évidemment. Enfin, je pourrais peut-être pas demander ça tout de suite, mais il faut que je sache au moins la rémunération avant de le faire, parce que j'aurais peut-être pas les moyens là tout de suite. Mais que je sache, voilà, que je sache faire un groupe vers qui me diriger, parce que j'avoue, j'en connais pas beaucoup qui font ça. Donc, bon, pas du tout, sinon je poserais pas la question. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ici? Il faut que je mette une porte. Ok, on va mettre une porte. Oui, Moussa! Oui! T'es bavard ce soir, toi, t'es pas si bavard d'habitude, hein? Enfin, si, t'es bavard en ce moment, mais. Quoi, j'avais dit ce soir, je donnais la nourriture solide, mais en même temps très, très baveuse. C'est ça, j'avais dit ça ce soir? J'avais dit ce soir, oui, c'est vrai. Après le live, bébé. Chaque chose en son temps. Ouais, donc n'hésitez pas à en parler parce que je cherche effectivement. Alors, mon Rominet, non? Gros cul, je vois rien sur l'écran, là. Vraiment, enlève ton cul. Mais tu te rends bien compte que t'as un gros cul, bébé. Je veux dire, au bout d'un moment, tu le vois, non? Tu vois que tu gênes. Ouais, bah mets-toi bien devant le live, on sait jamais. Des fois que je puisse voir s'il y a des drops, tu vois. Ce serait dommage quand même, hein. Oui, bah oui, j'ai pas encore deuxième écran, mais mes chats passaient avant, en fait, cette fois-ci. Faut qu'on retourne voir le veto, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Il n'y avait pas de thune, maintenant qu'il y en a, on y va. Hein. J'ai déjà fait beaucoup trop patienter par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il faut que je. C'est tout? Oui, c'était court, jeune homme. Je veux dire, oh Dieu, bien des choses en soi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il te faut ici? Il faut deux canapés, une étagère. Alors, rappelle, c'est quoi cette grossophobie envers ton chat? Mais il a un gros cul, il a un gros cul, j'y peux rien. Il prend littéralement, quand il passe devant mon écran, j'ai la moitié de l'écran en moins, alors que l'écran, déjà, il est haut. C'est déjà pour ça que vous me voyez vachement bas. C'est un constat de gros cul de chat. Mais il le prend bien, il le prend bien, il le vit bien. Ah, tu le vis bien. Oui, bah, tu ronronnes, hein. Peut-être qu'on t'entend dans le micro. Peut-être pas quand même. Tu ronronnes si fort que ça. Oui, tout le monde péter. Mais ils sont bien traités, hein. Pauvre Minou. Ouais, pauvre Minou, ça va, il est bien traité, c'est bon. Prends une petite tape sur le cul de temps en temps, parce qu'il fait une connerie, je le chope au passage, et c'est tout. Ouais, c'est pas la mer à boire. Hein. Il pourrait être beaucoup plus malheureux, hein? Il aurait pu rester dans la rue. Donc, je n'accepte pas qu'on dise pauvre Minou. Lui offre le meilleur en plus. Ouais, littéralement, ouais. Putain, faut voir ce que je leur mets comme prix là-dedans. Que ce soit dans la bouffe et tout. Même la litière, putain, la litière, elle me coûte, je crois, c'est 8 euros les 12 litres, quoi. C'est hyper cher. J'ai jamais mis aussi cher de ma vie dans quelque chose. Alors ça, on va le mettre ici. Alors oui, je rappelle, ici en fait, c'est un centre communautaire. Donc ce qui se passe, c'est pour ça que j'avais hâte d'y arriver, parce que le centre communautaire, je trouve ça super intéressant à faire comme projet. Donc du coup, voilà, on s'adapte en conséquence. On va mettre ça comme ça. Ça, on va plutôt le mettre là, je pense. Ouais, c'est pas mal. Donc centre communautaire pour accueillir des gens, des vieux, des jeunes, tout ça, des personnes, quoi. Plutôt le mettre là, en fait. J'ai changé d'avis, je vais le mettre là. Hop, comme ça on le met ici, en plein milieu. En plein milieu, j'ai dit, c'est-à-dire un cran de côté, voilà. Tac. Et on rajoute ceci. Petite fougère, hein. Très petite, pas vraiment, vraiment là, pas de gros trucs. Parfait. Ok, bah écoutez, c'est pas trop mal, j'avoue. Je suis pas mal là. Je trouve, hein. Pas ce que vous en disiez, mais. C'est une ref, hein. Je sais pas ce que vous en disiez, c'est pas moi qui parle comme ça. Je sais plus d'où elle vient la ref. En vrai, j'ai un trou de mémoire là sur le d'où elle vient. Je sais pas ce que vous en disiez, mais. Je sais plus. En plus, il y avait une phrase entière derrière. Je me rappelle même plus la phrase entière. Donc vraiment, c'est compliqué là pour se souvenir d'où ça vient.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire ici? Qu'est-ce que tu me proposes ici? Rien. On a tout fait ici? Table quête terminée ici? Très bien. On déplace ça à côté, ça servira peut-être. Donc là, on a l'entrée du centre communautaire, c'est plutôt pas mal. Hein. On rappelle que la maison était décrite comme la maison la plus moche de la zone. Voilà. Je maintiens que la maison est magnifique. Pas finie, mais très belle. C'est un peu ce qu'on pouvait dire de moi. C'est pas fini, mais pas mal, quoi. Ok, on va faire des carreaux. Poser les carreaux. Il manque des carreaux, visiblement. Effectivement, ils ont fait le travail à moitié, je comprends même pas. En fait, il y a des chantiers où ça se passe vraiment comme ça, genre. Je sais pas, il y a pas un minimum d'organes, normalement. Genre, on fait ça aujourd'hui, puis après on fera ça demain, puis on avance gentiment. Genre, tu finis d'abord de construire le mur avant de poser le reste, quoi. Genre, non? Je sais pas. C'est quasiment une vraie question. C'est pas forcément une question pertinente, on va dire. Mais j'aime l'impertinence. Bon, le 14 février, étant donné mon célibat, fera peut-être un live. J'allais dire un live Lollipop Chainsaw, on veut pas, ni Lollipop tout court. J'ai un jeu Lollipop, un hip-hop, je sais pas quoi là. On le fera peut-être pas non plus, c'est parce que c'est pas que je veux pas, mais c'est un peu interdit par c'est un peu interdit par Twitch, j'ai pas le droit de le faire. Ils ont déjà eu des abus quand ils ont autorisé de nudité, donc on va peut-être pas trop. Voilà. Hein. Qu'est-ce qu'on a de des poubelles? Ouais, ça va être les chiottes, quoi. Donc, chiottes poubelles, évidemment, ça peut servir. Deux poubelles, donc. Ah, là, il faut des trucs, là-bas. Une brosse à chiottes. Deux brosses à chiottes. Regardez-moi cette précision. Et trois brosses à chiottes, incroyable. Et du coup, bah, on va mettre ça au milieu. Ici. Voilà. Voilà, sympa. Et on va même faire mieux. Tiens, on va les mettre là. Vraiment au milieu, quoi. Hop, hop, hop. Ici, on a tout fait, je crois. Ouais. Allez, hop, ça c'est fait. Ça c'est fait. Il reste. Est-ce qu'on fait le couloir en premier, sachant que ça mène ici? Est-ce que là, on ferait pas ça d'abord? Ah, il y a des murs à démolir et tout. Ah, bah oui, voilà, on est bien là. Là, on est dans notre élément. Les constructions à faire, qu'est-ce que tu veux construire? Ah, il y a un trou là. Ah oui. Faisons ça. Y en a un de vous deux qui ronfle, les chats, ou ça se passe comment? Là, on a quoi? On a des trucs à faire. Ça, je les ai pas, par contre. Je crois pas. Ah oui, on voit les tâches, je sais pas ce qu'il y a. On nettoie les tâches. Ah oui, attends, mais il y a un sous-sol, c'est vrai ça, j'ai même pété mon sous-sol. C'est un sous-sol ou c'est... Ah oui, c'est pour descendre, c'est pas un sous-sol. Ok, alors. Il n'y a rien ici? Non. Ici? Plus. Très bien. Ça me va, ça me va. Et ici? Parfait tout ça. Et ici? Très bien, mais ça me va. Hop, ça on peut le faire. Donc, c'est pas très joli. Moi, j'aurais refait la partie là, j'aurais même refait une zone en bas, j'aurais tout pété, enfin, peu importe, mais... Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? On va déjà tout rénover, donc ça c'est bon. Ici, ça c'est bon, c'est propre. Donc il y a ici à faire. Qu'est-ce qu'on a à faire ici? Démolir des murs, ouais, plein de murs. Vendre des fenêtres, ou mettre des fenêtres. On va démolir l'atelier déjà. Non, c'est avant des fenêtres là? Non, c'est pas avant des fenêtres. On va démolir le mur, attendez. Non, c'est que ça va être la salle entière. Regardez-moi cette force brute. Je me reconnais totalement dans cette musculation de destruction de mur. Je sais pas si je vous l'avais dit au dernier live, mais House Flipper 1 est toujours maintenu à tel point que, comme c'est très différent au niveau du moteur et tout, il compte refaire d'autres DLC dessus, qui ne seront pas du coup sur House Flipper 2. Ce qui fait qu'il y aura vraiment deux jeux différents.
Donc si vraiment vous voulez faire du housekeeper, prenez le 1, il n'y a pas de souci. Il est maintenu à jour. Non seulement il est maintenu à jour, mais en plus, ils vont faire des trucs qu'on n'aura pas dans le 2, donc c'est quand même intéressant. Je comprends pas, c'est quoi les quoi fenêtre quoi? Peinture, oui, bon, on va mettre de la peinture si tu veux. Allez, tiens, achète de la peinture. J'avais hésité aussi à faire Persona 3, parce que j'ai jamais joué à Persona 3. Et que bah, j'ai beaucoup aimé le 4. J'ai moins aimé le 5, mais c'est une question de goût, je pense. Parce qu'en vrai, le 5 est très très apprécié, donc je pense que c'est moi. Moi qui ai moins aimé, tout simplement, ça arrive. Hein. Mais ouais, je comptais faire peut-être Persona 3, vu qu'il est offert sur le Game Pass, là. Forcément pro Atlus, je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes avec leur jeu. Je pense que la boîte est loin d'être safe. Mais bon, vu qu'aujourd'hui on a appris que Dontnod, qui est derrière les jeux Life is Strange et tout, était tout sauf une boîte sécure, bon. Hein? Les progressistes qui sont pas progressistes là. On vous voit les gars. C'est l'équivalent des mecs qui se disent féministes mais qui sont pas capables de comprendre qu'une femme puisse en avoir marre des hommes, quoi. Vraiment, vraiment des bons encore. L'industrie du jeu vidéo, quoi, il n'y a pas une semaine sans qu'une saloperie depuis le début de l'année, donc ouais, j'ai envie de dire. Donc ça c'est fait, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Ah, maintenant on n'a plus qu'à acheter. Ah si, les fenêtres, mais je comprends pas, c'est quoi cette histoire de fenêtres là? Tu veux que j'installe des fenêtres? Je comprends plus. C'est à laver les fenêtres peut-être? Ah oui, c'est ça, c'est laver les fenêtres. Okay. Je comprenais pas le problème depuis tout à l'heure. Pourquoi il me parlait de fenêtres et tout? Maintenant, je sais. Je comprends. Il y a où le... Ah, il y a un petit morceau qui est resté. Hein. Mais donc, ouais, je me tâte à trouver un jeu qui pourrait être... Ah, ça pourrait être Growing Up. Hein. Growing Up, c'est quand même... Voilà, c'est un jeu... Un jeu qui parle d'amour, peut-être le 14, on verra ça. Growing Up, oui, il y a des questions d'amour dedans. Je rappelle que mon dernier personnage avait fini avec, avec une meuf qu'il avait rencontrée à l'université, donc c'est pas déconnant. Mais on maintient qu'il y avait maman cool et maman connasse. Ça, on avait vraiment les deux types de parents là, c'était vraiment maman casse-couille et puis maman pas casse-couille quoi. Ah, ça sent le bingo ça les gars. Oh. Putain, je vous jure que s'il n'y a pas de bingo dans cette salle, je me coupe une couille. Hein. Fort heureusement, je ne saurai jamais, donc du coup pour l'instant je peux les garder. Même si bon. Dans l'idée, ça arrivera peut-être un jour. J'ai dans l'idée que peut-être un jour il y aura une petite vasectomie. Pour être bien sûr, quand même. Je suis déjà une erreur, hein, peut-être pas en mettre plusieurs sur Terre. Hein? Voilà. Ce serait bien que tout le monde pense comme ça, ce serait cool. On va peut-être pas agrandir la famille dysfonctionnelle un peu plus grand, ce serait dommage quand même. Enfin, dysfonctionnel, mais pas si dysfonctionnel que ça. Enfin, disons qu'avec le temps, ça s'est un peu amélioré, quoi. Non, ouais, peut-être Growing Up, je sais pas. De toute façon, je redirai ça. Si 14, je suis chaud ou pas, parce que je pense que je risque de déprimer sévère, en fait. On verra un jour, là. Disons que j'avais pas prévu de passer le 14 février 2024, tout seul. C'était pas dans mes projets... Vu que la pilule est encore un peu mal à passer. Je l'ai avalé, hein, mais. Elle coince. Hein. Après, c'est pas comme si je m'y attendais pas. Enfin bref, je vais pas vous raconter ma vie, mais. Il y a plus sympa.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Dites-moi d'ailleurs si le micro ça passe bien ou pas. Si jamais, voilà, parce que j'avoue que j'ai pas forcément refait les réglages derrière depuis le changement de micro. Et ouais, ça s'était fait, ça s'était fait, ça c'était bon, l'extérieur c'était bon, la partie à refaire, qu'est-ce qu'on avait à refaire ici? La peinture. Qu'est-ce que c'est comme peinture que tu veux? La même, bah c'est parfait, dis donc. J'ai bien fait de pas l'acheter, dis donc. Excellent. Excellent, mais regardez-moi cet homme, il sait économiser des mouvements. Ah putain, attends, j'ai pas vu ça. Attends, on va recommencer. Il s'est économisé de l'argent. C'est s'épargner du travail inutile. Finalement, n'est-ce pas l'homme idéal? Je vous donne 3 heures. Après, mes DM sont ouverts. Après, oui, c'est vrai que sur Blue Sky, il n'y a plus de DM. Ça, c'est un fait. Enfin, après, si vous voulez m'avouer votre amour en public. Ah, ça va me rendre un peu timide, quoi. Surtout pour ce que je fais. Si je ne fais pas un podcast, je ne fais pas. C'est très bien. Parce qu'il paraît que pour faire un podcast, il faut être soit à Bordeaux, soit à Rennes, soit à Paris. Donc, bah, vu que je suis à aucun des trois. Un petit peu à Toulouse aussi. J'ai cru comprendre que Toulouse c'était pas mal niveau podcast. Et vu que je suis dans aucun des trois, forcément, bon. Pas besoin d'investir dans un gros micro, quoi. A priori, je vais pas arriver dans. Quoique, je dis ça, j'ai toujours Barberousse qui veut me faire passer un podcast. J'espère que j'y réponds dans Touk. Il faut que je prépare des. Faut que je prépare des musiques et tout. Et comme je change de goût musicaux comme de chemise. Là, en ce moment, c'est la breakcore, par exemple. Je suis à fond dans le breakcore. J'adore ça. J'ai besoin de breakcore dans mes veines directement. Donc, compliqué. Et si vous ne connaissez pas le breakcore, et bien vous loupez un truc. Mais bon, c'est peut-être pas votre truc. C'est de la techno un peu particulière, quoi. Allez, on vend tout ça, ça prend de la place, ça me fait chier que cela, c'est du terrain. En vrai, ça rend pas mal, hein. Histoire, là. Regardez. On va faire comme ça, mais regarde. Alors, attends, on va juste. Comment on fait déjà? C'est. Alignement, c'est R. Ouais, ça, c'est. Il faut que je l'aligne. Plus comme ça. Ouais, là. Et toi, du coup, tu t'alignes avec le reste, là. Voilà, notre fion s'aligne avec les nastres, comme dirait le monsieur. Ça bug fort de mon côté. Ah, putain! Et attends, je regarde. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il est encore en ligne, mais ça a effectivement bugué de ce côté-là. Est-ce que ça marche? Ça a l'air de marcher. Ou pas? Ah putain! C'est encore mon application qui a déconné ça. Et puis en plus mon téléphone qui est à la moitié déchargé, c'est compliqué. Donc si vous parlez, pour l'instant je vois rien, je reviens. Ok, c'est bon, je vous vois. Non mais ça c'est la faute au gros cul du chat. Ah t'as un gros cul. Tu peux le dire dans le micro que t'as un gros cul. Hein. Si tu veux, on t'entend. Le micro il est assez bon pour ça. On t'entend peut-être pas ronronner, mais on t'entend miauler. Il a une gueule, putain. Qu'est-ce que c'est que cette tronche qu'il me fait là? Ah, et en fait, il est sur le dos à moitié, il me regarde. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu auras encore des câlins tout à l'heure et tu auras ta bouffe adorée tout à l'heure. T'inquiète pas, c'est prévu. Peinture, là on est sur de la peinture orange vif, c'est dégueulasse. Je déteste ce genre de couleur, mais c'est pas grave. Moi, c'est du rouge, c'est du rose à la rigueur. Mais orange vif, pas ouf, quoi. En fait, j'ai oublié de regarder, c'est vrai que j'ai gagné un point tout à l'heure en destruction. Ah bah, j'ai gagné un point là aussi. Hein. Ah, je peux terminer la mission. Ah ouais, bah super, on a rien fait, quoi. La mission, c'est littéralement refait tout le truc que personne n'a voulu finir. Et toi, tu t'arrêtes en plein milieu. Ça me bute.
Le fait que tu aies cette option-là dans cette mission me met en émoi. Et du coup, je vois plus le chat parce qu'il est descendu. Voilà, c'est bon. Bah là, normalement, c'est bon, ça remarche. Si jamais il y a un souci. Là, c'est quoi après? C'est on va poser des. Ah ouais, mais alors, attends, mais c'est quoi de ce côté-là, du coup, je comprends pas. C'est pas repeindre ça? Tu te fous de moi? Ça a pété peut-être. Ah! Ah oui, je comprends mieux, parce que là, ne pas repeindre ça, ça me paraissait. Ok, je comprends mieux pourquoi. On agrandit la pièce. Ah oui. C'est pour les enfants. Les ch'tis enfants. Comme ça, quand leurs parents prépareront le travail à leurs enfants, eh ben, ils pourront être ici, les enfants, au lieu d'aller se droguer comme tous les enfants de leur âge. J'ai vécu en banlieue. Ceci explique peut-être cela, je ne sais pas. Du coup, oui, ça forcément, ça peint. Oui. Ah, j'en ai vu des copains se défoncer la gueule à coup de tout ce qui leur passait sous le nez. J'étais bien le seul sage dans l'histoire, rien. Quand j'y pense, n'empêche. Ah, j'aurais pu tellement mal tourner, je pense qu'en vrai, aujourd'hui, je serais resté là où j'habitais à l'époque, j'avais fini avec une seringue dans les veines, hein, clairement. Et quand je vois mes potes, ils ont fini à moitié drogués et tout. Mes potes de l'époque. Ah, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du bois à mettre sur le sol, très bien. Ah, mes potes collège et tout, là, je pense que vraiment, je serais resté là-bas pendant la période de collège. Vu comme j'étais mal dans ma vie, j'aurais fini par tourner court. C'est pas plus mal que je sois parti. Il me manque un des fois, j'y repense à eux, mais. Je pense qu'en vrai. Alors, il y en a qui doivent aller très bien, mais j'en connais un ou deux, à mon avis. Ils vont peut-être encore bien aujourd'hui, mais pas. La santé n'est peut-être plus là, quoi. Putain, mais les bouchons de terreau, là, j'en peux plus. Pendant un temps, je n'avais quasi plus, il s'est revenu d'un coup, là, ça me gonfle. Hop. Heureux, bah, heureux, fait. Petit live ce soir. Tranquille. Regardez comme je sais bien poser. Vous avez vu ça un peu? Quelle grâce, quelle prestance. Vous êtes jaloux de ma façon de. C'est mon. Ça s'appelle du composing. Est-ce que vous connaissez cette nouvelle méthode venue d'Amérique? Ah, les médecins me détestent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et j'aime pas du tout ce côté. Là, ici, c'est bon, puis là, d'un coup, plus. Pourquoi? Comment? Pour quelle raison? Voilà, on va revendre ces merdes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va déballer les cartons. Qu'est-ce qu'il y a dans les cartons? Qu'est-ce qu'on a là? Un petit tracteur, deux petits tracteurs, un petit robot, un petit Rubik's Cube. Ok. Ici, on a un petit vélo cheval. Une petite maison des poupées. Et surtout, la cuisinière. Car quoi de mieux qu'un enfant qui apprend à cuisiner dès l'âge de 4 ans? J'ai dit 4 ans? Je voulais dire 2. Bon, et sinon, il y en a parmi vous qui ont vu la dernière vidéo de PLDU, parce que si vous ne l'avez pas fait, vous quittez ce live tout de suite et vous allez voir. Et puis vous laissez de l'argent à PLDU. Vous lui donnez beaucoup d'argent, ce garçon. Je suis tellement fier de voir qu'il en est là aujourd'hui, quoi. Moi j'ai rejoint les abonnés de Feltup, il avait même pas, j'ai regardé à l'époque, il avait même pas 10 000 abonnés, quoi. Ça fait longtemps que je le suis. Ouais, il devait être 6-7 000. Je le suis depuis quasi ses débuts. Je crois que je le suis depuis le finding numéro. Ben, je me demande si c'est pas le finding numéro 3 d'ailleurs. Celui où il parlait de These people as. Putain, These house as people in it. Je pense que je le suis depuis cette période-là. Je le connaissais déjà d'avant, mais pas forcément. Voilà.
En dehors de sa... Pas en dehors de sa chaîne, je veux dire, mais je le connaissais peut-être d'avant, mais je n'avais pas encore suivi. Je pense que je suis retombé sur lui et là je le suis. Mais vraiment, je le suis du tout début, je le suis depuis. Ah ouais, ça va faire 6 ans, 7 ans. Très longtemps. Et donc, je suis très content de voir qu'aujourd'hui, il s'en sort très bien. Et même mieux que bien, j'ai vu son live la dernière fois. Enfin, je suis très content de voir que ce gars s'en est sorti, quoi. J'ai fait le dupe quand on l'entendait dans ses premières vidéos et qu'il parlait un peu de sa vie. Le fait qu'il soit là aujourd'hui, c'est pas mal. Hein. Tu regardes pas beaucoup fait le dupe. Bah, c'est dommage. Dupe quelque chose. C'est un bon gamin. Un gamin, c'est plus un gamin maintenant. Mais... Et ouais, vraiment, c'est un bon gars, quoi. Il a une façon de. Alors maintenant, il vient. Ça en devient presque un mème, il est très facile de prévoir ce qu'il va dire et ce qu'il va faire. Puis que maintenant ses vidéos, je devine un peu ce qui est sur le point de nous faire comme genre de retournement de situation, c'était comme ça. Mais vraiment ouais, c'est un bon gars quoi. Et ça fait plaisir de voir des gars comme ça, vraiment ça fait plaisir. En plus, oui, c'est vraiment genre vraiment un bon gars de bout en bout. C'est pas juste un bon gars comme ça. Non, non, c'est un bon gars, quoi. Hop, on va mettre la maison ici. Et pourquoi on mettrait une maison à l'intérieur? C'est complètement con, par contre, comme système. Genre, là, vraiment, la maison est pas petite, quoi. Attendez. Je vais voir si c'est possible de... Ah, c'est possible. Yes. Bah, écoute. On gagne un peu d'espace. Je vais faire comme mon chef avec mon poste. Là, tout me ramène à lui. Il m'a tellement foutu les nerfs que là, ça revient régulièrement. Ouais. Pour ça que je dis, ça fait 2 jours que je suis énervé. C'est que ça fait 2 jours où il y a des moments où j'y pense plus. Et d'un coup, je repense au truc qu'il m'a dit. Mais vraiment, n'importe qui à sa place, je l'aurais goumé, quoi. Ah, comment ça m'a gonflé, putain! Ah, mais j'accepte pas qu'on me parle comme ça de base. Mais là, c'était le chef. Je peux rien dire dans le cadre du travail. Putain, j'ai pas le choix. Je suis obligé de prendre sur moi, quoi. Il y a ma place en jeu en fait. C'est-à-dire que si je lui rentre dans la gueule et que j'explose, oui forcément, ça risque de pas durer mon travail quoi. Pourquoi j'ai. Il y a un truc devant là encore. J'ai pas fait extérieur. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Pourquoi tu mets ça alors si j'ai tout fait? Qu'est-ce que tu prends la gueule là? Ah mais attends, il y a ça encore. Non mais il disparaît en bas. Qu'est-ce que c'est que comme ça? Bon, de toute façon, a priori, il y a que l'intérieur à faire pour l'instant. Peut-être l'extérieur tout à l'heure. Oh, super! On arrive, c'est poubelle time, quoi. Ah oui, il y a du taf là, hein, dis donc. Regarde ça comme c'est dégueulasse. Et ils ont quand même pensé à mettre des cartons pour pas salir les canapés. Et ça, c'est bien, ça. Bravo, les gars. Finalement, vous n'êtes pas que des grosses merdes. Vous avez quand même pensé à ça. Et ça, c'est beau. Bon, ça dégage, ça vient aussi, ça vient ça aussi. Ah ouais, carrément une petite PSP là, putain ça a dû travailler dur. Hop, ça en enlève. Tac, 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 tac. Tac, ça dégage. Ça aussi, les poutrelles se virent, ça vire. Ça vire, ça reste visiblement. J'imagine que du coup il y a tout à refaire là, non? Ah non, c'est quasi fini là. Putain, mais attendez, c'est un petit studio d'enregistrement, c'est trop bien. Ça va être très qualitatif, mais après, ouais, c'est vrai que les couilles. C'est ce que j'entends, c'est logique. Mais je trouve que c'est un bon gars et ça fait plaisir de voir des gars comme ça réussir en fait. Vraiment, maintenant, il y a, je sais plus, il doit avoir 1,2 million d'abonnés là. Peut-être pas 1 million, je suis peut-être un peu large quand même. Mais il doit avoir quelques centaines de milliers, ouais. Et c'est énorme, hein, quand tu vois de quoi il part et de quoi il parle en plus. Je veux dire, c'est des sujets qui sont assez particuliers, quoi. Alors, certes, il y a un affect pour l'horreur et le surnaturel et les bizarreries chez tout le monde. Enfin, j'ai l'impression que c'est un point commun à tout le monde. Tout le monde s'intéresse à ce genre de conneries, au moins une fois, au moins un peu. Donc voilà, j'entends que... Mais le fait qu'il ait percé autant là-dessus, je trouve ça fou.
Il a réussi quand même à se faire une place de maître hein, là-dedans. Puis bon, la fin de sa vidéo était, ouais, la fin de sa vidéo était très très. Ah, ça tire un peu les larmes, quoi. Ça fait quelque chose. Hein. Puis comme d'hab, lui, il essaie de passer des messages dans ces trucs. C'est, il fait pas les trucs sans réfléchir avant. Et ça, c'est ça qui est bien aussi avec lui. Mais fait du poids, c'est vrai que c'est particulier. C'est des sujets particuliers, c'est parfois un peu dur d'ailleurs à suivre, parce que, pas à suivre, mais à écouter. Parce que c'est, ça peut réveiller des traumas si t'en as eu par rapport au sujet abordé. Donc, ouais, je sais que c'est pas forcément simple. Après, bon, bah, moi je suis fan de ce genre de trucs, forcément, quoi. J'ai découvert, en fait, j'ai vraiment découvert le principe d'ARG avec lui. Mais c'est vraiment pas beaucoup. Et il m'a fait découvrir ça en fait. Donc le fait que, tu vois, juste ça me permet de découvrir les ARG, je trouve ça fascinant. Pas au point de m'y lancer, parce que voilà, j'ai pas trouvé d'ARG qui m'intéressait beaucoup. Mais, puis j'en trouve pas souvent. Mais le problème, c'est que maintenant, les ARG, en fait, justement, comme c'est devenu une mode, bah, grâce à lui, hein, c'est cool, hein. Mais du coup, les gens sont pas forcément très créatifs. C'est pas forcément très intéressant qui ressort aujourd'hui. Mais au moins, il y a des essais, pour être pire. Ouais, ça pourrait carrément ne pas essayer de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Il n'y a rien d'autre là? Ah si, il dit de repeindre les murs. Repeindre les murs en blue, j'imagine. I'm blue, dabadi dabada. Et dabadi et dabada. Tout comme ça. Et dabadi et dabada, I'm blue. Regardez comment on étale le grand schtroumpf. Comme ceci. Et voilà, schtroumpf grognon. Grâce à ça, tu pourras avoir la schtroumpf faite rien que pour toi. Alors, tac. C'est pas bien ce que j'ai dit. Je suis en train de capter que je suis une dinguerie en fait. Tac. Et, ça me paraît pas mal tout ça là. J'aime bien cette émission, elle est vraiment cool. J'avais hâte de faire le centre communautaire. De voir à quoi il ressemblait. Je m'attendais à un truc un peu plus classique au niveau de la forme, mais en fait. Parce que surtout qu'ils disaient que c'est une maison moche, quoi. Je trouve que la maison est très belle, perso. Travaillée, mais pas moche, quoi. Alors, heureusement que je dépense pas d'argent là-dedans. Dans House Super 1, c'est notre argent qui part à chaque fois. Il y a une dose de budget, mais on peut dépasser et c'est un petit coup qui est prise. Qu'est-ce qu'on a ici? Invisiblement du nettoyage, si je me fie à ça. Alors c'est un reflet peut-être. On fait des trucs à nettoyer, c'est sûr. Ah ouais, c'est dégueulasse. Regarde-moi ça comme c'est crade. Putain, il y a un jeu, il s'appelle Clem. Je viens de voir une notif d'une de mes potes qui est en train de jouer. Hein. Le jeu, il s'appelle Clem. Pas curieux du coup, de quoi ça parle? Est-ce que c'est un jeu où on joue un mec qui s'appelle Clément? Je sais pas, j'ai pas beaucoup de bons contacts avec avec la plupart des Cléments. Soyons honnêtes. Ah mais c'est pas fini là? C'est bon, c'est fini? On a tout fait? C'est beau, putain, qu'est-ce qu'on est fort. Du coup, qu'est-ce qu'on a à faire ici? Déballer les cartons et poser une table basse et cadre. Déjà, on a posé la table basse du coup. Je pense que c'est, elle va se poser ici. Hein. Tout ça. Et là, on va déballer les cartons. Et vous avez vu du coup ma dernière vidéo sur YouTube? Trop cool ou pas? Trop cool ou pas de parler d'un jeu que personne ne peut avoir? Trop cool. Moi, je suis très content en tout cas de vous avoir présenté ce jeu et de le découvrir en même temps. Parce que, bah, oui, dans la vidéo, le problème c'est que j'avais déjà fait un tournage et du coup, je redécouvrais pas dans la vidéo. Je me suis arrêté là où je m'étais arrêté au premier tournage avant de me rendre compte que l'enregistrement en question faisait globalement qu'on avait un. Quelle petite horloge, on va la mettre là, là. Hop. Oh, petite statue de quelqu'un qui fait un câlin. Bien ça.
Alors, il a une façon de poser sa voix, même maintenant quand il est sur d'autres chaînes YouTube, il me fout des frissons, rien de mal, il est trop doué dans ce qu'il fait. Je pense que c'est vraiment sa manière de parler en vrai. Pour le coup, je suis quasi sûr que c'est sa vraie manière de parler. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de surprise, quoi. Mais je comprends, il a une façon de poser des trucs et tout, c'est après c'est son travail, tu vois. Maintenant c'est vraiment devenu son taf. Donc le fait qu'il le fasse comme ça, bon bah, c'est bien quoi. C'est-à-dire qu'il a. Il est bon dans son taf. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Après c'est que moi quoi. Attendez, je le ferai bien comme ça. Attendez. On peut pas le tourner? Oh, je suis extrêmement déçu. Je vais les mettre dessus dans Home. Laissez-moi faire mes trucs. Laissez-moi faire mes beaux, s'il vous plaît. Mais laissez-moi tourner les trucs enfin, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je peux rien faire. Je suis dans la détresse. On va mettre les petits poissons ici. Petits poissons. Des jeux, ouais. Des jeux, ok, on a le crabe. Classe. Alors. C'est là qu'il faut que je trouve un rangement efficient. On va mettre ça là. Comme ça ici on a hop, le petit jeu tombe et destruction. Tombe of destruction, pardon. On va mettre le jeu Stronghold qui ressemble très fortement à Stronghold. Stronghold qui ressemble vraiment à Stronghold le jeu, le vrai. The Real Game. Ouais, je préfère quand les titres passent de gauche à droite perso. C'est mon côté François. Hop, voilà. Pas mal la petite Game Boy qu'on a posée là. Tac. PSP m'a dit, réfléchis un peu, enfin, tu sais ce que tu dis, non? Et du coup, voilà. Du coup, voilà. Hop. Ça. On est pas mal là. Ici, la pièce est faite en tout cas. On a quasiment terminé, je suis en train de voir. Les trois étoiles sont quasi remplies. Qu'est-ce qu'on a à faire ici? On n'a rien à déballer déjà. Juste des trucs à acheter. On a quoi? Un ordinateur, quatre ordinateurs, quatre écrans, quatre claviers, quatre souris. Ah oui, salle de LAN quoi. Ah oui. Petite salle tranquille. Get ça, c'est inversé. Comme ça. Comme ça, ouais, ça des deux l'un derrière l'autre, comme ça, et les deux devant. Et là, on va pouvoir mettre les ordis. Alors, putain, la taille des tours, mon pote. Vache. Je dis ça. Ouais, en plus, ça ressemble à la mienne, un peu au niveau de la forme. Quasiment la même gueule. Hein. Bon, je peux rien dire. Tac, ensuite les écrans. Très important. Un écran, deux écrans, trois écrans. Ah, je comprends pourquoi ça coûtait cher à rénover, les gars, si vous mettez des trucs comme ça aussi. Je pensais que c'était un truc tranquille, quoi. Quatre écrans, on a aussi quatre souris. Des souris jaunes, évidemment. C'est celles qui vont plus vite, elles ont plus de DPS, de DPI, pardon. Oh, de DPS. Oh, je vais remonter, mon pote. Mon bide qui est en train de me faire. Dis donc, t'as pensé à manger aujourd'hui? J'ai un truc ce matin, quoi. J'ai mangé des biscuits cet après-midi. Ça va. Ça va. Bon, c'est presque comme si j'avais mangé. J'ai fait pire, merde. Je suis déjà allé à la salle de sport en ayant mangé qu'une banane et j'ai failli faire une syncope sur place. Bon. Ouais, alors on fait un petit changement de dernière minute finalement. Je trouve que c'est plus efficace par là. Comme ça. Et puis là, comme ça, je peux mettre. Ici, je vais pouvoir mettre. Ouais, non, non, du coup, je suis con. Comme ça, faut que je fasse. Attends. On va plutôt faire ça comme ça. Et ici, comme ça, je peux mettre le canapé. J'avais pas capté qu'il y avait un canapé. Mais...
Hop, et puis comme ça laisse l'espace ici. Là, t'as quand même les ordinateurs, tout. Et c'est plus mieux que quand je suis arrivé, merde. Ok. Tac, tac, tac. Hop, ça. Hop, ça c'est bon. Ici, on a quoi d'autre? Ici, on a des trucs à faire peut-être? Non. Ok, bon, ça on le revend du coup. Pas besoin de s'en occuper. Rien à faire en haut non plus, à part nettoyer. Eh bien, on a quasiment terminé la maison, hein, c'est bien. Ici, on a des trucs à faire? Pas du tout. En fait, les mecs, ils ont fait que le troisième étage et tout le reste, c'était pas fait, quoi. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ok. Et là, ah, là, il y a des trucs à faire. On déballe. J'adorerais en avoir un, mais je serais incapable de l'utiliser. Parce que je sais pas comment ça fonctionne. Mais un kiff absolument, évidemment, ça. Putain, qu'est-ce qu'on va s'éclater. T'as tellement de possibilités de modification de son et tout. Enfin, je trouve ça trop cool. Ouais, c'est pour faire style métronome, ça, mais autant avoir un vrai métronome, du coup. Je veux juste fermer l'écran. Ah, il faut que je me tienne. Avec la petite souris à côté, hein. Pas du luxe, moi je te le dis. Hein. Voilà. Ça vire. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Ah, bah oui, bah. Ouais. Regardez-moi ça. Les Beatles. Juste ranger ça en attendant. Là, faut se rappeler quand même d'où on est. Là d'où on travaille. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'on a là? On a une grosse enceinte, mon pote. Ça, c'est au moins un subwoofer. Tac. Ah oui, je me sais où, là. Hop. Hop. On va deux petites enceintes. Ok, très bien. On va mettre deux petites enceintes. Comme ceci. Une ici. Et une comme ceci. Voilà. Voilà, là on est bien là. Voilà. Mission terminée. Ah, attends, s'il n'y avait rien d'autre, c'est bon. On n'avait que déballer les cartons. Le carton, c'était pas... Ce que j'ai fermé, c'est là où on n'a plus rien à faire. Donc, je vais refaire un tour à l'extérieur au cas où. Mais, que je me souviens que c'était un peu dégueulasse quand même l'extérieur. Mais est-ce qu'on avait besoin de refaire des trucs? Je suis pas sûr. Les tâches, c'était la vie. Qu'on a d'autres ici. Parce qu'ici on avait des trucs à faire, genre. Y a des définitions de surface à faire qui sont indiquées. Là. Ah oui, il y a toute la zone là à faire. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces bordels là? Et je me dirais pas, hein. Je me dis que c'est fini. Hein. Le travail n'est pas fini quand il y en a encore. Notez-le dans un coin, ça peut ressortir un jour dans vos livres d'histoire quand je serai très connu. Je serai président du monde. L'univers. Bon, là on est bon. Là c'est bon. Les surfaces c'est fait. Ah, pour redescendre un cran ici. Si pour lui c'est bon. Ok. Tout ça peut se reprendre aussi. Hop. Et alors maintenant en bas. Tout ça c'est bon. Tout ça c'est bon. Tout ça c'est bon. Et ben je dirais qu'on a terminé la mission. C'est vrai que mec, j'ai des... Attends. Je sais pas qui c'est, DFG. Ça c'est pour le cadeau de bienvenue, ça. Le Nokia 3310 maudit viendra vous hanter. Hop là! Oh putain, 60 000 balles! Et ouais! Et ouais! C'est comme ça qu'on fait. Oh là là, le fin mot de l'histoire. Ah ouais, c'était la dernière mission, sérieux? Nous vous remercions d'avoir joué notre jeu. Vous venez de terminer la dernière mission de l'histoire, mais il y a encore beaucoup à faire. Acheter et rénover des maisons, terminer des missions restantes, devenez millionnaire.
Si vous êtes d'humeur créative, accédez au mode création et partagez vos œuvres avec la communauté pour se faire activer les modes dans les paramètres du jeu. Et comme toujours, bonne rénovation. Ça, c'est l'équipe de dev. Regardez. Est-ce qu'ils ont pas l'air tous trop sympas? Moi, je les aime bien. En plus, ils ont un petit dogo ici, un petit dogo là. Ça manque de chats, mais je sais qu'il y en a qui ont des chats, parce qu'il y a des photos sur le Discord qui passent de temps en temps. Putain, fin du jeu, hein. Je pensais vraiment... Docteur Figood. Ah oui, d'accord. Mais j'ai vu qu'il était passé dedans. Je sais pas ce que t'as voulu dire sur un divan, mais... PUTES, ça passe pas, hein. La chance de pas être banni, toi. Je sais pas ce que t'as voulu dire, mais ça passe pas du tout. Mais t'es censuré sur mon truc. Je sais pas si c'est mon chat qui te censure ou si c'est un bot qui te censure ou quoi. Bon bah maintenant on a beaucoup à faire, faut qu'on achète les maisons et tout. Et qu'on y travaille quoi. Mais là il reste des missions, regardez, il y a d'autres missions qui apparaissent. Hein. Non c'est les darons ça. Coucou trésor, oui tu as bien lu, Sunset Bay m'a tellement rappelé notre. Il y a plein de trucs à faire. Il est quelle heure? Ah, il est 23h tout de même. Moi, je suis rentré tard. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein. Mission a duré quasi 2 heures. Je sais pas, c'est combien de temps qu'on est en live là? 30 minutes plus soir, ça fait 1h30 passée. Hein. Ouais, mais je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, on reprendra normalement. Et puis, peut-être qu'on fera du mode créa. Le mode créatif, on peut envoyer après nos quêtes, on peut faire des quêtes, pas carrément. On peut jeter un œil vite fait, hein, c'est pas interdit. On va jeter un œil au mode création. Et normalement, c'est ça, le mode création permet de faire des quêtes, en fait, tout simplement. Et du coup, utiliser des mods. On peut importer des mods qui existent déjà. Alors, moi, je crois que j'en ai. Attends, j'ai des missions mode, il me semble, attendez. Bah non, pas ça, pas ça. Balance pas ton code à tout le monde. Alors, est-ce qu'on voit ce que je fais là? Visiblement non, parce que là je suis dans mes dossiers. J'aimerais bien qu'on voit pas. Qu'on voit pas tous mes petits arrangements avec Internet. Ben c'est genre un canapé, comment un canapé peut être censuré? C'est canapé que t'as dit? Mais non, il y a marqué, il y a une émission sur sa chaîne où il reçoit des sur un divan. Attends, là j'ai un truc ici. Alors je sais pas, c'était des trucs que j'avais testé, j'avais téléchargé vite fait pour voir si ça fonctionnait. Notamment, c'est censé être des quêtes, des autres quêtes. Alors on avait un community contest que j'ai loupé. Pas fait gaffe, je sais con, j'aurais pu éventuellement gagner un ordinateur. Ah, youtubeur! Pourquoi ça a bloqué youtubeur? C'est bizarre. Mais là, c'est même pas que... Je sais pas ce qui s'est passé. Ok. Ouais, là on a des quêtes et des quêtes en plus. Genre là, voilà, c'est un mec qui l'a fait. Et ça c'était du coup le truc officiel. La petite mission consistait tout simplement à... Donc on avait, voilà, ça, on avait imaginé la maison de Robinson Crusoe. Vous pouvez enlever tous les éléments, excepté tous les fragments de la maison ruinée, le mur et la portion qui mène sur un bunker en fait. Donc vraiment, ouais, le mode peut être intéressant, ça sera essayé, je pense. Je téléchargerai peut-être des mods, des missions et tout qu'on pourra faire comme ça ici. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que, bon, fatigué, quand même, j'ai fait ma semaine de travail, et puis encore énervé d'hier, malgré tout. Donc voilà. Voilà. Et j'ai pas mis d'espace, ça doit être ça. Ah, peut-être. J'avoue, je sais pas du tout pourquoi ça t'a bloqué.
Un peu con quand même, mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Dans tous les cas, moi, je m'arrête là pour aujourd'hui. Petite fatigue quand même, malgré tout, il est 23 h, j'ai prévu de faire d'autres choses, genre manger par exemple, c'est pas. Remettre mes fleurs au bon endroit, c'est juste un autre truc à faire, mes fleurs, mes plantes. Et voilà, et alors je vous invite toujours à aller sur ma chaîne YouTube, j'ai sorti du coup le nouvel début de vidéo, nouvelle série de vidéos là, qui a commencé. Nouveau série de Let's Play, hein. Qui sera spécifique à la chaîne, hein, comme Pokémon en fait. Il s'agit de Prey, la version 2006, c'est pas la version 2017, donc vraiment la vieille version qui a été erased des internets depuis la sortie de la version 2017, donc qui est trouvable si vous la piratez ou si vous l'achetez légalement comme moi j'ai fait il y a une dizaine d'années. J'ai un DVD quoi. Et si vous jouez à la Xbox 360, ça fonctionnera aussi. Je suis pas sûr que vous puissiez jouer par contre sur Xbox One et Series X. Mais voilà. Du coup, voilà. Je vous remercie pour cette petite soirée sympathique, s'il en est. Et je vous fais des bisous. Allez, ciao tout le monde! Attendez, je coupe le micro.